L'automne s'annonce très active pour l'équipe de hockey des Braves de Valleyfield puisqu'elle prendra part à plusieurs événements et cérémonies et le fameux Movember afin de soutenir la cause du cancer. Il se passe quelque chose au Movember. Hey, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Movember, on sait que ça vient en aide aussi au cancer masculin, dont le cancer de la prostate, entre autres. Et ce qu'on a décidé de faire, l'organisation, c'est qu'on va... les joueurs vont faire pousser la moustache tout le long du mois de novembre. Et on va organiser un concours, quelle est la plus belle moustache. Devinez quelle est la moustache, parce que les joueurs vont la face cachée. Puis à ce moment-là, bien, il y aura un concours gagner une loge. Des gens qui vont pouvoir trouver c'est qui le joueur qui a la plus belle moustache. Et parallèlement à ça, tout le long du mois de novembre, on va sensibiliser nos partisans via notre site Facebook sur des textes sur les cancers masculins. Donc à ce moment-là, on va joindre l'utile à l'agréable. C'est une cause quand même importante. Très important. Puis, ça vient vous chercher personnellement aussi. Oui, aussi. Donc, ça vient me chercher parce qu'avoir été atteint d'un cancer, mais aussi c'est faire en sorte de sensibiliser les gens des arénas. Et donc, on a beaucoup de clientèle masculine aussi, donc au cancer masculin. Lors du dernier match à domicile, le 20 octobre dernier, une douzaine de joueurs étaient présents afin de recevoir des plaques honorifiques ainsi que de voir la bannière 2022 être hissée dans les hauteurs de l'Aréna Salaberry. Dès ce soir, on a le dévoilement d'une bannière, mais c'est beaucoup plus que ça. Ah, et on est content. Avec la COVID, on a fait en sorte qu'en 2019-2020, on avait une équipe formidable. On avait une équipe qui a terminé un point derrière le Collège français de Longueuil au classement général. Donc, on avait gagné la division. Mais puis il y a certains joueurs qui sont démarqués, mais on n'avait pas pu leur présenter leur plaque au Gala Méritas de la Ligue. Donc ce soir, ces joueurs-là sont invités, on va leur présenter leur plaque et on va dévoiler la bannière de champion de division. Donc on est bien content de ça ce soir de faire ça.